Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des Essentiels Photos. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que tout s'est bien passé. Et donc nous voici aujourd'hui pour la partie 2 de ce shooting de A à Z. Donc on avait vu dans l'épisode précédent tout ce qui était le concept et le shooting qui concernait la bouteille. Là dans cet épisode-ci, on va voir tout ce qui concerne le shooting de la boîte et du verre. C'est parti. Alors, pour la suite, eh ben donc ça va être simple. La bouteille, c'est bon, on peut ranger. Et on va prendre la boîte. Magnifique boîte, n'est-ce pas? Et pour rappel, hein, c'est pas, je n'ai pas sponsorisé, hein, c'était juste un très beau cadeau qu'on m'avait fait. Et j'avais trouvé, voilà, je trouvais que c'était l'occasion de dire, voilà, c'était un coffret avec une bouteille de verre. Et toujours à consommer avec modération, bien évidemment. Mais pour le coup, je m'étais dit, tiens, bah, ça se prêterait parfaitement à faire un petit shooting et à revoir un petit peu quelques bases. Donc voilà, comme ça, c'est fait. Je vérifie que le micro enregistre bien, parce que ce serait ballot. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon. Super. On est toujours méthode Roots. Donc, très simple, hein. Là, comme je l'avais fait dans le croquis, il faut que je fasse la boîte, pas dans l'axe, mais légèrement de 3/4. Donc ça veut dire que je vais venir regarder à l'intérieur de mon appareil ce que donne. Alors, il faut la reculer un petit peu, la boîte. Hop. Et là, elle est encore super grande. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste dézoomer un petit peu, du coup. Juste dézoomer un tout petit peu. Voilà, dézoomer à peu près comme ça, c'est parfait. Et ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je la décale légèrement. Alors, je vais juste la faire de 3/4 comme ça. Voilà, moi j'aimerais bien qu'elle rentre dans mon cadre de cette manière. Bah, ça, c'est parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier test comme ça, avec juste une lumière incidente légèrement en biais. Donc en gros, on voit que ça fait hein, comme un billard. Hein. On va voir un petit peu, puisque cette surface, elle est très réfléchissante. Il y a pas mal de choses qui se passent sur cette boîte. Donc c'est pour ça que ça va être assez intéressant, parce qu'il y a des effets de vernis et tout. Donc on va falloir qu'on travaille un petit peu la lumière pour mettre en valeur ces choses-là. Alors c'est parti. Eh ben, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ok, eh ben, c'est plutôt pas mal comme ça déjà. Elle est assez, assez jolie. On voit, on a en gros le vernis qui s'atténue ici pour aller des très clairs aux très sombres. Donc on comprend très bien comment ça fonctionne. Il n'y a pas trop d'effets de reflets et d'effets spéculaires sur la... sur le titre, donc c'est pas mal du tout. La seule chose que je vois, c'est que ici, par contre, on est un peu trop enterré. On est un peu trop enterré ici. Ce qui fait qu'on voit parfaitement la bouteille comme ça, nickel. Le fond est bon, très peu gênant. Ce que je vais faire, bah, c'est que je vais venir rechercher mon petit réflecteur, cher et tendre réflecteur, que je vais venir mettre au plus proche. Mais toujours hors champ, bien évidemment. Quoique, à la limite, même si ça rentrait un petit peu dans le champ, ça n'aurait pas été trop grave vu qu'on va découper la boîte. Mais bon, je vais le mettre au maximum, très proche, comme ça, je vais reprendre le maximum de retour de lumière. Et là-dessus, petit shoot. Alors là, c'est assez joli ce qui se passe à droite. C'est assez intéressant. Par contre, il manque une partie... au bas de la lumière, au bas de la boîte. Alors, là j'ai deux alternatives. Soit je recompose tout simplement. On peut recomposer, donc pourquoi s'embêter. Je vais reprendre juste ma lumière. Je vais venir me mettre pile à cet endroit-là. Hop, de façon très très... essayer de pas trop rentrer, de pas trop avoir de lumière dans le... Voilà, juste faire ça, tranquillou. À distance pour essayer d'atténuer la lumière, pas être trop en direct sur l'objectif. Et voilà, là ça c'est super. Donc là voilà, là j'ai la partie qui m'intéresse au niveau de l'arête là, avec justement le vernis là, ça c'est top. Donc comme ça, ça je vais pouvoir le recompositer plus facilement avec le reste et venir découper
découper la forme. Pour découper la forme, encore une fois, hein, c'est très simple. Hein. On peut faire ce qu'on appelle comme des masques qui viennent directement avec la photo. On a juste à se mettre dans l'axe, prendre une photo, et là, hop, c'est bien, ça nous fait voilà, la découpe du haut de la boîte de façon nickel. Le reste, on viendra le faire tranquillement avec l'outil plume. Et ça, eh ben, ça finit la boîte. On a fini pour la boîte. On l'a fini avec la boîte, je vais poser celle-ci, et maintenant je vais aller prendre un verre. Alors un verre que là j'ai préféré faire avec des glaçons, normalement c'est sacrilège, je sais, mais on va faire un shoot avec. Pour les principes, va être toujours le même, donc autant sur la boîte ce qui était important c'est d'avoir les réflexions, le vernis, etc., le volume de la boîte, et bien voir un peu ce qui est écrit dessus. Autant bah, sur le verre, on va retrouver un petit peu les mêmes problématiques que sur la bouteille, c'est-à-dire qu'il va falloir gérer le volume, comment on va rendre ce volume de verre, les réflexions donc sur les formes du verre, et celui-là en plus il est assez pénible puisqu'il a un petit retour, il est bien, bien, bien costaud celui-là. Et en gros, voilà, donc on a ça, plus bien sûr l'intérieur. Là, pour gruger, ce n'est pas du rhum, c'est du thé. Pourquoi ? Alors en fait, pour deux choses. Alors le thé, le problème, c'est que ça, c'est un petit peu moins clean. Donc je vais voir l'effet que ça rend. Si ça rend bien, je garde comme ça. Sinon, bah tant pis, j'utiliserai vraiment du vrai rhum pour faire le... Et je le remettrai après dans la bouteille, tant pis. Mais le problème qu'on a avec le rhum et les alcools, c'est que quand vous les versez, il y a l'effet des larmes. Alors, pour ceux qui connaissent, en fait, il y a cette sorte de... l'alcool en fait créant du sucre entre guillemets fait que je vais me faire massacrer par les spécialistes mais c'est pas grave. Vous me corrigerez dans les commentaires, mais bref, en gros ça fait ces sortes de dépôts, et ça le problème c'est que quand vous shootez avec les réflexions et tout, vous voulez manger et vous êtes parti pour de la post-prod à gogo, ce qui est quand même pénible. Autant bien l'avoir toujours à la prise de vue au maximum. Alors ce qu'on va faire ici, c'est que forcément je vais déjà recaler mon cadre. Puisque là, bien évidemment, voilà, ça a bougé un petit peu. Donc je suis juste... Ouais, quoi qu'on était pas mal, en fait, c'était presque à la bonne distance. Ok, donc ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Donc ça, a priori, ça a l'air d'être bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un premier shoot. Bah tiens, je vais faire le shoot arrière, comme ça j'aurai déjà le contenant. Oh, bah c'est très joli ça. C'est très très joli. Et en fait, comme on profite de la réflexion de cette surface-là, qui normalement est noire, mais là pour le coup... comme elle est éclairée, apparaît comme blanc. On a un très très joli rendu déjà du verre, juste comme ça. Alors ce que je vais faire pour gruger, c'est que je vais essayer de... Je vais essayer de couper un petit peu. Je vais juste relever un petit peu la lumière, voir ce que ça peut donner. Voilà, donc là on a un petit peu mieux ce qui se passe sur le verre. Alors le verre est ultra crade, c'est une punition. Mais bon, en tout cas avec les petits glaçons, etc., ça fonctionne plutôt pas mal. Bon. On va la garder comme ça. Normalement, voilà, il faudrait que je prenne le temps de nettoyer, etc. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien me faire mal. Je ferai ça à la post-prod. C'est mal. Bref, alors. Bah là, on va faire comme tout à l'heure. Hein. On va se remettre à peu près dans les mêmes conditions, donc même punition. Je vais redescendre ma lumière pour être vraiment dans l'axe, pour bien englober mon verre. Voilà, clac. Donc le principe, comme c'est sphérique, et encore une fois on l'a vu tout à l'heure, si vous décalez vers la droite, et ben du coup ça va être plus vers l'avant et vous allez moins avoir le contour du verre, plus vous allez être vers l'arrière et ainsi de suite. Donc il faut bien vous caler à peu près au centre, on va dire, ou en tout cas essayer de bien englober et bien envelopper le verre.
Et je vais déjà juste essayer comme ça. On va déjà voir ce que ça donne. La lumière risque peut-être d'être un peu forte, mais on va voir. Alors, c'est assez joli. Ah oui, il y a la réflexion forcément du glaçon. Mais bon, ouais, il se passe des choses. C'est assez pas mal du tout. C'est assez joli. Là, on a deux choses. Je peux essayer de remettre mon réflecteur, encore une fois, hein, toujours, pour essayer d'avoir quelque chose qui enrobe un maximum mon verre. Donc, je vais essayer de mettre ça. Je vais peut-être le décaler un peu plus vers l'arrière. Et je vais faire la même chose côté de lumière, juste pour avoir un peu moins de lumière à l'avant et plus en avoir sur le contour du verre. On va voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, ça fonctionne assez joliment. J'ai presque rattrapé avec le reflet de droite, le reflet de gauche. Ça peut être joli. Je vais tenter une dernière chose. Je vais me mettre vraiment très loin à l'arrière. Très loin à l'arrière pour avoir une sorte d'effet un petit peu plus de silhouette. De silhouette, d'avoir vraiment d'essayer de dessiner les bords du verre. Voilà. Donc là, on dessine un peu plus les bords du verre. On voit aussi qu'il est bien crade. Ça c'est bien dommage. Mais en tout cas, il y a de belles choses. Et c'est assez joli comme ça. Ça fonctionne plutôt assez joliment. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un dernier shoot du dessus. Et là, pour le coup, je vais me mettre en mode lol. Du dessus. Ouais. On va essayer de le faire à la route. Je vais me mettre vraiment en vertical. Alors le problème, c'est que j'ai pas un pied girafe, donc je vais pas être vraiment vertical. Je vais essayer de me mettre au maximum du verre. Il faut que je monte un peu, parce que là, ça va être très proche. Donc là, au niveau lumière, ça va envoyer beaucoup trop. Je vais juste faire ça. Je vais enlever le réflecteur. Hop. Hop, on va se mettre au centre et on fait le shoot. Voilà, et ça en fait, ce qui est bien, c'est que ça me vient de dessiner de façon très intéressante le dessus et aussi ce qui se passe au niveau des glaçons. Ça, c'est pas mal. Donc maintenant que je suis content, j'ai mes trois shoots et maintenant on va faire de la post-production. Voilà. Avec tout ça, maintenant, on a toutes les images, donc la bouteille, la boîte et le verre rempli. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire la partie de post-production, mais ça, on verra ça dans le prochain épisode, le prochain et dernier épisode sur ce shooting de A à Z. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, puisqu'il y aura le jour de l'an, et on se revoit l'année prochaine pour les vœux et pour la fin de l'épisode. À bientôt, ciao.